Oui, Loki, vous l'avez vu passer? Non? D'accord. Salut, c'est pas ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Custom. Et aujourd'hui, on va regarder mon custom de l'ultime, ultime Thor. Après le custom de l'ultime, ultime Iron Man, Spider-Man et Docteur Octopus, on regarde enfin Thor. Sais pas si je vous l'avais montré, je crois pas. D'ailleurs, que j'ai fait de vidéo sur lui, c'est parce que je l'ai fait il y a un mois en fait. Du coup, c'est que maintenant que je fais la vidéo. Donc, bah, du coup, je vais vous le montrer en détail. Déjà, Mjolnir, donc son marteau, je l'ai un peu changé, j'ai rajouté un fanion. Du coup, un fanion, je vais dire. Un petit élément de. Bref, ça quoi. Qui fait un peu comme dans le film. Donc ça j'aime bien, donc ça fait un parfait lien. Donc du coup niveau Thor, parce que j'ai très Thor. Donc du coup le casque qui est à ce qui paraît une exclusivité à son, à son robot, j'en suis pas sûre, mais ok, je crois à Brick Universe. Du coup bah voilà. J'ai eu dans le PK du coup. La tête, du coup, c'est la même que depuis Infinity War. Je crois que c'était pas la même dans Ragnarok. Je suis pas sûre. On le désosse petit à petit. Hein. La cape, c'est une cape. C'est la cape qui vient de la CMF de Spidey. Ça, c'est son écharpe du calendrier de l'Avent. Et torse et jambes, c'est les mêmes que dans le magazine, dans le calendrier de l'Avent et tout. Donc du coup, on va le remettre. Le but d'avoir ça en gros, c'est le col de la cape. Si on met la cape en elle-même. Et donc après, ça donne un effet de bah, d'épaule ici et là. Et c'est vraiment ce qu'on a dans le film. Du coup, c'est ça que j'aimais bien. Et donc après, on lui met son fidèle Mjolnir amélioré. Et donc du coup, on a un parfait Thor. Parce que vous avez complètement tort. Voilà. Bah du coup, c'était assez la chaîne Lego. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à dire ce que vous avez pensé sur Instagram une fois que j'aurai fait le post et que la vidéo sera sortie, bien entendu. Et voilà. Bah du coup, c'était la chaîne Lego. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qui vous dit bye bye!